J'ai rendez-vous avec cette princesse, parce que c'est une princesse saoudienne, qui a une très très jolie villa à Cannes, et qui me demande de donner un cours de danse à sa fille qui était là. Sa fille avait 10 ans. Et on est à peu près, elle me dit qu'on est une dizaine de danseuses à passer ce casting. Donc je donne un cours de danse, je danse un peu, enfin voilà, elle me regarde, elle parle bien français. Elle me dit qu'elle est tunisienne, elle a une queue de cheval comme j'en ai une là en ce moment, tailleur, jolie femme, longiligne, un air un peu sévère, mais voilà. Et on a une communication, on communique normalement. Et je repars en me disant, bon, ben voilà, de toute façon, j'ai pas d'expérience, ce serait quand même bien que j'aie ce boulot, mais bon, j'y crois pas trop. Et peu de temps après, effectivement, je reçois un courrier en me disant tout simplement que je suis prise et que va m'être envoyé un billet d'avion et qu'il faut que je signe un protocole de contrat. Tout s'enchaîne très très vite. Quand je dis très très vite, ça dure quand même quelques mois, c'est-à-dire que je pars 3 mois après ce premier rendez-vous. Je ne revois jamais la princesse, vraiment. Par contre, je n'ai absolument pas peur de là où je vais parce que j'ai vu une femme, une européenne devant moi. Je ne me suis pas du tout doutée que d'un seul coup, en prenant l'avion et en montant dans les airs pendant quelques heures, j'allais atterrir dans un endroit où la femme n'existe plus, pas en tout cas. Et là, je comprends tout de suite. C'est-à-dire que mon petit rêve, là, dans un pays oriental, dans du vent de couscous, etc. Là, de suite, on me met dans la réalité. Je sais déjà que je n'ai rien à faire là. J'ai pas encore ni vu la princesse, ni donné des cours de danse. Je sais plus. Voilà, je rentre effectivement dans un espèce de carcan dans lequel je vais avoir beaucoup de mal à m'en sortir d'ailleurs. Avec le recul, je me dis pas on m'a vendue. Avec le recul, je me dis et là, elle m'a bien eue. En fait, j'étais la plus jeune des professeurs de danse qu'elle a certainement vue, sans expérience. Elle a certainement vu que j'étais aussi assez naïve. Et elle s'est dit bon bah voilà, la petite là, on va la mettre au cours de danse et puis au cours de natation et puis elle va faire ce que les autres ne veulent pas faire. Et de toute façon, c'est je deviens en passant ces portes une employée, donc une esclave, de la même façon que les nannies qui gardent les petits, que la femme de ménage, que celle qui fait le brushing, que voilà, je deviens sa chose, sa propriété. Je suis là pour donner des cours de danse aux enfants de ses copines, elle en a beaucoup. Donc voilà, donc je ne suis plus humaine. On vient frapper à ma porte et yalla, barra Francia, ça veut dire allez, allez, tu retournes en France. Là, maintenant, quoi, tout de suite, oui, tu prends deux bagages, tu te dépêches, tout de suite, tu pars. C'est une espèce de sortie de prison, donc il y a un état d'esprit très bizarre, moi, limite syndrome de Stockholm. Je rentre où? Chez moi, mais où? Je n'ai ni passeport, toujours, hein, puisqu'on m'avait, j'ai omis de le dire, mais pris mon passeport. Dès mon arrivée à l'aéroport, j'ai pas d'argent. Mais j'y vais. Allez, ça peut pas être pire qu'à l'intérieur de toute façon. J'arrive dans un avion, une porte d'avion. On m'installe quelque part. J'ai pas de billet, j'ai rien du tout. Hein. On m'installe quelque part, donc on m'attend. Et y a d'autres personnes, évidemment, des Saoudiens et des Saoudiennes, beaucoup plus de Saoudiens. Et je pars, et l'avion s'envole, et je me dis, allez, une autre aventure, voyons voir. Et j'ai commencé à espérer vraiment quand j'ai entendu qu'on survolait l'Italie, le commandant de bord qui, en anglais, expliquait qu'on était en train de survoler l'Italie. Donc je me dis, je rentrerai bien en France. Et on atterrit à Paris. Ça fait un an pratiquement que je porte le voile. On m'a obligée à le mettre. Donc je me rends même plus compte en fait. J'ai été lobotomisée. Et non, non, puis j'étais devenue une bonne Saoudienne. C'est aussi ça. Je ne faisais pas la prière, mais au moins j'étais devenue une bonne Saoudienne. Je me tenais vraiment à carreau. Et donc je descends de l'avion, toujours voilée. Là, il y a un Saoudien, je sais que c'est un Saoudien parce qu'il avait l'uniforme saoudien, me remet mon passeport que je n'avais pas vu depuis 10 mois. Et un billet Paris-Nice, puisque j'étais partie de la Côte d'Azur un an auparavant.